Préparer un seau d'eau, cette info va vous faire vomir. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter et mettez la cloche pour être averti quand les nouvelles vidéos sortent. Les produits de Dato, mauvaise nouvelle. La nouvelle qui va vous faire vomir. Ça me fait vomir. Voilà les produits de Dato. Voilà. J'ai vu cet article, cette info sur un site web qui s'appelle BoxMag et le lien sera en description si vous voulez aller jeter un œil. Ça s'appelle Tony Oka, son combat du 7 septembre est annulé en raison de droits TV. Alors, je vous annonce cette annulation du combat de Tony Oka avant même vous annoncer que le combat va avoir lieu. Donc, je parle déjà d'annulation. Je savais que ce combat va avoir lieu. Tony Oka lui-même a partagé l'affiche de ce combat de 7 janvier, septembre. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais il a parlé de cet événement-là. Ça serait deuxième combat sur ces 4 combats dont 5, en 5 mois. Le premier, il a fait contre Amin Bouceta. On se souvient, et là, il allait faire son deuxième combat sur 4 en Angleterre. Et le combat est déjà annulé en raison de droits TV. Droits TV, les Boudato, quelle TV? On se doute un petit peu. Hein. Et surtout là où je suis, voilà, vous avez compris. Donc je lis l'article. Le champion olympique de Rio, Tony Oka, ne fera pas son deuxième combat de retour comme il avait prévu initialement. Suite à sa victoire contre le Belge Amin Bouceta le 27 juillet dernier, Oka avait annoncé qu'il serait de nouveau sur le ring dès le 7 septembre. Après des recherches, BoxMag a trouvé des informations plus précises sur ce nouveau combat qui devrait se tenir au Brentwood Stadium quand même. En Angleterre, lors d'une soirée organisée par Top Tier Boxing, pas confondre avec Top Rank, Top Tier Boxing. Alors que l'organisation attendait de connaître le nom de l'adversaire de Tony Oka, nous avons appris par une source que le combat du Français avait finalement été annulé, avant même trouver l'adversaire. Un adversaire pour Tony Oka. Répondant à un tweet de BoxMag, Top Tier Boxing nous a confirmé la nouvelle de l'annulation, évoquant un problème de droit TV. Oka est toujours en contrat avec Canal+, mais l'organisation anglaise a tout récemment conclu un accord avec DAZN pour diffuser leur événement, ce qui semble être la source du problème contractuel. Vous avez lu les datos, même pas entre les lignes, mais ce qui est écrit, ce que je viens de dire, c'est que cette organisation Top Tier Boxing vient de signer avec un diffuseur qui est DAZN, vous connaissez tous, et donc le combat de 7 septembre de Tony Oka devrait être diffusé. Et il est toujours, Tony Oka, en contrat avec Canal+. On va lire la suite des boutons de Dato. Donc, ce BoxMag, il envoie un tweet à l'organisation de ce combat, de cette soirée, Top Tier Boxing, donc BoxMag. Il leur demande « Bonjour, est-ce que c'est toujours le combat va avoir lieu ou c'est annulé pour Tony Oka le 7 septembre ?» Et Top Tier Boxing lui répond « Malheureusement, le combat va pas avoir lieu parce qu'il est en contrat avec une autre promotion, donc Canal+. » Je continue à lire. « Malheureusement, Tony Oka n'a pas été autorisé à
à travailler avec le diffuseur en raison d'un contrat en vigueur avec sa promotion. Il n'a pas été autorisé, donc interdit par Canal Plus. Il y a quelques semaines, Tony Oka avait annoncé qu'il espérait combattre à pas moins de 4 fois cette année afin de relancer au mieux de sa carrière. Son premier test face à Buceta s'est terminé par victoire. Voilà les bouts d'ato. Canal Plus dit que tu es en contrat avec nous et tu ne pourras pas faire un combat diffusé par une autre diffusion, TV, streaming, ce que vous voulez, mais diffusion sur les écrans, qui est DAZN. Quand Tony Oka devait boxer à Amin Buceta le 27 juillet, il avait posté un post sur Instagram, photo et écrit, sur lequel il dit « j'avais des problèmes contractuels et enfin c'est terminé ». Moi, j'en ai déduit, je pensais que quand il dit j'avais des problèmes contractuels et maintenant c'est fini, je me suis dit, et je vous en avais parlé, vous m'avez repris, moi je pensais que il avait des problèmes contractuels avec Canal Plus, maintenant c'est fini, il n'est plus en contrat. Mais en fait, vous m'avez repris, vous m'avez dit, il a encore un combat avec Canal Plus, je crois qu'un combat ou deux, mais on ne sait pas, hein. Personne ne sait, mais voilà, on doute, on se doute, on lit quelque part, on essaye de comprendre, parce que c'est pas clair tout ça, mais en tous les cas, il a au moins un combat avec Canal Plus, et vous m'avez dit, vous m'avez repris en disant, Canal Plus lui a permis à faire cet écart-là, à boxer ailleurs, voilà, mais c'était ça, les problèmes contractuels, c'était pas se débarrasser de Canal Plus, de ce contrat-là. Et en fait, Canal Plus veut que Tony Oka, il n'y a pas de problème, tu boxes dans un gymnase, tu vois, presque pas allumé, dans le gymnase sombre, avec 50 personnes dans la salle et tout, pas diffusé, il n'y a pas de problème. Mais une fois c'est diffusé, non, tu ne peux pas faire. Maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a la loi, les règles, la loi, et aussi la morale. On prend, si vous voulez, ce qui nous arrange. Quand c'est la loi qui nous arrange, on dit, la loi est telle, donc il faut la suivre. Et parfois, il y a la morale, et on dit, oui, la loi, oui, elle est là, mais bon, moralement, tu vois, c'est pas top. Tu vas péter volontairement, sortir un pet bien odorant dans un ascenseur avec enfant, ce que tu veux, avec 5 personnes dans un ascenseur. C'est pas illégal, mais c'est pas moral. Tu vois ce que je veux dire? Donc là où tu tranches maintenant, même si je soutiens Tony Oka, j'essaie avoir une réflexion plus. Plus dirigé vers là où il y a la vérité, là où je pense, c'est juste. Et il a un contrat avec Canal. C'est vrai que Canal ne veut pas le lâcher. Quand Tony Oka, il traversait ses défaites, les 3 défaites d'affilée, après une défaite, les gens contre Bacolé, déjà les gens ils ont commencé à dire que Canal Plus va le lâcher. Après deuxième défaite, encore plus, troisième défaite. Moi, je ne croyais pas à ça. Les poteaux d'ato, moi je me disais, c'est quoi qu'il en soit, c'est une mine d'or. Même s'ils vont perdre de l'argent Canal, c'est quand même un nom, c'est un prestige d'avoir un champion olympique, poids lourd, le seul, français, tu vois, c'est quand même quelque chose. Et ces télés-là, les poteaux d'ato, c'est des chaînes. C'est-à-dire que Canal Plus, c'est pas une chaîne seulement. Il a eu un propriétaire qui est milliardaire et il a plein de chaînes. Il s'en fout si Canal perd de l'argent. Tu as des médias qui ne font que perdre de l'argent durant toute leur existence. Mais parce que ça appartient à un holding, à un groupe. Tu vois, c'est pas juste je suis seul. Je suis un milliardaire qui a juste un Canal Plus et il veut gagner, devenir plus riche avec un seul média. Non, ils ont plein de médias, ils s'en foutent de perdre avec Canal. Vraiment, l'argent qu'ils perdent avec Tony Oka, c'est rien.
C'est rien par rapport à des sommes extra, tu vois, où ils gagnent. Enfin bref. Mais par contre, c'est un prestige d'avoir un nom voilà, mondialement connu, hein, Tony Oka. Et donc, j'étais pas d'accord avec le fait que ah, ils vont le lâcher. Preuve en est qu'ils ne le lâchent pas. Et par contre, ça nous conforte dans l'idée que ils sont pas là pour le sport. On le savait. Hein. Sinon, tu vas dire, le gars, regarde, regardez. Là, on est un peu dans la morale, parce que moi, pour moi, la morale est très importante. Voilà, je suis peut-être un vieux jeu, mais la morale est très importante pour moi. Regardez, Canal+, c'est, voilà, Canal+, c'est que c'est le dernier combat qu'ils vont organiser pour Tony Oka. Donc, voilà, ils vont plus gagner de l'argent, c'est le dernier, après, basta. Tony Oka va pas re-signer avec eux. Pardon, maintenant. Quand on parle de Canal+, faut que ça soit clair pour tout le monde. Je suppose que pour tout le monde c'est pas si clair. C'est que Tony Oka n'a pas signé avec Canal+. Tony Oka a signé avec son promoteur qui, lui, a déjà il a que Tony Oka, donc c'est pour ça qu'il va pas lâcher. Donc ce promoteur, je crois qu'il a que Tony Oka et des boutiques de fringues. En tous les cas, c'est comme ça, il est devenu riche. Mais aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, pour la belle parole, je veux dire, voilà, Tony Oka et des boutiques de fringues, c'est plus rigolo comme ça. Et lui, ce promoteur, les promoteurs en général, ils ont les télés. Tu vois, un promoteur qui a à son mot à dire, tu vois, c'est le plus grand, le mot m'échappe, pas prétexte, mais le mot reviendra. Argument, voilà. Plus grand argument pour aller chercher des noms de boxeurs, des grands boxeurs de renommée ou en devenir, pour les faire venir chez soi, plus grand argument, c'est moi j'ai la télé, telle télé, telle télé, tel diffuseur, tu vois. Voilà. Donc tout le monde est rattaché à un média, ce soit les Top Rank, il y en a qui sont rattachés à plusieurs, mais voilà. Et généralement, tu as un média, DAZN, ESPN, bah, t'en as plein. Et Tony Oka, son promoteur, c'est avec Canal+. Et donc, c'est pas Tony Oka directement. Et ils ne veulent pas dire, donc je vais continuer sur ma pensée, c'est que il y a la morale. Donc, il perd les trois combats. Maintenant, il a gagné un combat. Et il se sent mieux. Il est heureux comme un enfant, parce que ça se voit chez un sportif, que ah, maintenant j'ai envie de faire quatre combats. Voilà, je suis un fou. Tu vois ce que je veux dire? Pour arriver à cette conclusion et dire publiquement, en 5 mois, je vais faire quatre combats, croyez-moi que tu es dans un état d'euphorie extraordinaire, dans le bon sens du terme. Tu vois, tu crois en toi, tu recrois en toi, tu vois, c'est un nouveau chemin que tu vas mener, c'est un nouveau pays, tu vas faire différemment, tu boxes dans un gymnase pour ton premier combat, pour un champion olympique. Enfin, donc c'est, tu vois, tout lui plaît et il voilà, a quatre combats, je suis un ouf les gars, personne n'a fait ça, moi je fais ça. Enfin, en gros. Et tu vois, continuons sur la morale, et il n'y a pas, tu vois, ils vont pas dire, maintenant on va penser sport. Business, ok, on a fait combien de combats avec Tony Oka? Plus d'une dizaine. Et bah maintenant, bon, bah on va le lâcher. Ça, c'est sport. Déjà, au niveau, le geste, ça va être sport, tu vois, fair play. Ça, d'un autre côté aussi, c'est penser à sa carrière. Et là, ça nous conforte, réconforte malheureusement dans l'idée aussi que il pensait pas sport. Tu vois, son promoteur et Canal+, il pensait pas le avancement Tony Oka, tu vois, parce que sinon il l'aurait lâché là. Parce que c'est bon, ils ont tout retiré financièrement ce qu'ils pouvaient, mais là, ça y est, c'est le dernier combat qu'ils vont organiser, ils vont pas gagner des sous. Tu vois, Tony Oka, même pas, on peut pas dire qu'avec cette victoire-là, il a retrouvé la hype pour que Canal+, ah, maintenant on va regagner des sous. Non, il va pas retrouver la hype qu'il a perdu durant ses 3 défaites. Et bah ils veulent pas le lâcher. Et quitte à bousiller la carrière qui est déjà en mauvaise santé, qui est déjà un membre amputé.
tu vois, au niveau carrière, au niveau avancement. Et là où il sort la tête du lot, un petit peu, tu vois, un petit peu, hein, pas beaucoup. Ah ben on lui dit non, 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 tu replonges. Et là, il veut plus. En fait, un boxeur qui a pas envie de boxer dans une organisation, putain, t'es mal, tu vas mal boxer, tu vois, un boxeur, il doit kiffer monter en montant sur un ring. Et là, on dit non, 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 de force, tu vas boxer là. Mais dans quelle année Louis Vuitton, Bernard Arnault, bon sang. Tu vois, c'est, je suis choqué, j'allais dire moi. J'aime bien être choqué parce qu'il faut continuer à être étonné et choqué. Même si on voit ça souvent, enfin souvent. Pas souvent, hein, maintenant. Il n'y a pas un poids lourd qui a ces problèmes-là. Tu vois, il n'y a pas d'autres champions olympiques qui avaient ces problèmes-là. Le Joshua, il n'avait pas ces problèmes-là. Tu vois, tout se règle. Tu as le contrat, bah, j'ai plus envie, allez, on va finir le contrat, voilà, je te paye ce qu'il faut et tout, c'est bon. Non, c'est un problème. Et Tony Oka n'a pas besoin de problème là, parce qu'il est, il doit être bien dans sa tête. Là, on le remet, on le fait replonger dans un état où il n'est pas bien, Tony Oka. Ah, c'est bon, tu sais, c'est un sportif, laisse-le, bon sang. Hein, vous avez aussi vomi? Bah oui. Je vous ai prévenu. Voilà, maintenant, je ne sais pas pour la suite de Tony Oka, il faut qu'il retrouve une organisation, une autre, pour le mois de septembre, pour être dans le timing, faire ces quatre combats. Là aussi, du coup, ça te chamboule, ça te sort de tes rails, de ta programmation, tu vois, de tes combats. Et donc, il faut peut-être trouver une autre organisation qui le combat va pas être diffusé. Donc tu vois, comme son dernier combat. Voilà, peut-être là, ils vont dire oui, et encore, c'est pas sûr. Voilà, ils sont en très mauvais termes avec Tony Oka, avec tout le monde, là, tu vois, promotion, j'ai envie de dire ex-promotion, mais contractuellement, ils sont déjà toujours en contrat. Donc, quand j'ai commencé mes propos en disant, ils n'ont pas tort juridiquement, Canal+, ils n'ont pas tort. En tous les cas, juridiquement, ils sont dans leurs droits, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Je ne sais plus à quoi je voulais en venir, mais en tous les cas, je suis triste pour cette nouvelle, bon sang. Franchement, je suis triste pour la sportif. Tony Oka ou un autre c'est pareil, tu vois, en fait là on est en face d'un ennemi qui te met des bâtons dans les roues. En fait, les poteaux de Dato, un sportif de haut niveau, en fait c'est un égoïste fois 100, fois 1000, parce que sinon tu ne deviens pas champion, c'est-à-dire que tu fais tout pour être dans les bonnes conditions, à commencer par ton entourage. Je m'en fous, t'es gentil, pas gentil, tu m'apportes rien pour ma progression en tant que sportif, tu vois, pour être au top. Voilà, il y a un truc qui le gêne, il le tège, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas envie de toi, voilà. Entourage, pas nocif, tu vois, il n'y a pas de parasite. Voilà, parce que ton Nyoka avait mauvais entourage, il y a ça aussi qui a joué sur ses performances, mais là, je parle de n'importe quel grand sportif qui veut aller très loin. Je parle de tous les sportifs dans tout sport individuel et collectif, si vous voulez aussi. Donc il est égoïste. Il pense à comment performer, qui l'aide pour performer, tu vois. Il va même chez lui, il va tout faire, tu vois, pour que ça soit confortable, tu vois. Pour le sommeil soit bon, un nutritionniste, bien manger, tout.
pas voir les amis, c'est ça je dis aussi, les égoïstes, tu vois, les voilà, sorties et tout ça, tout diminué, enlevé. Et là, quand il commence à retrouver ça en Angleterre, et ben les vieux démons, ils sont là. Non, tu peux pas faire, mais comment ça tu peux pas faire? Putain. Ah oui, ça va être diffusé sur DAZN et on va peut-être perdre quelques sous-sous dans les popoches. C'est chez nous, il n'y a que nous qui diffusons. Et côté sportif, pour penser à un gars, non, on a annulé ça, penser à un gars qui veut progresser. Pourquoi vous le stoppez, sa progression, Canal+, et son promoteur? Pourquoi? En fait, c'est hors la, je vais pas dire hors la loi parce que ils sont peut-être dans leurs droits, mais c'est hors humain. Il n'y a pas que la loi dans la vie, hors humain, hors moral. Tu vois? Comment vous allez vous regarder dans une glace après? Laissez le boxer, bon sang. Alors, ou parlez plus de la boxe comme un sport, parler boxe source de revenus, c'est tout, l'argent, dites-le. Enfin bref, ils n'ont pas de race en fait. Bref, à vomir. J'ai commencé par cela, je vais finir par dire cela. À vomir, j'ai commencé par vomir et j'ai fini par dire que c'est à vomir. C'est à vomir ce qui se passe, Tony au cas ou un autre. Les putains, imaginez-vous. Nadal, quand il est jeune, on lui fait ça. Il serait jamais Nadal, tu vois, d'aujourd'hui, ce qu'il est devenu en tous les cas. Federer, tu vois, jamais on a vu dans les galères comme ça. Imaginez-vous, non, tu vas pas jouer, on va dire, à Rafael Nadal, Roland Garros, celui qui a gagné combien, 9 fois Roland Garros. Non, tu vas pas jouer. Parce que tu dois jouer US Open ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin bref, je dis non, pas n'importe quoi, je dis voilà, des exemples, il y en a pas mal et je suis triste pour le sportif, les Boudato, pour le sportif, je suis triste. Parce que c'est pas les valeurs sportives, c'est pas des valeurs au-delà sportif humaines. C'est pas des valeurs humaines. Tu vois, c'est pas pareil, mais c'est comme une séquestration. Obligation dans le sens où on t'oblige de faire ce que tu n'as pas envie de faire. D'accord, j'ai signé un contrat, mais j'en veux plus. Tu signes un CDI, CDI pour la vie, mais tu t'écris un papier, je veux plus, je m'en vais. Eh ben non, on prend ton passeport, on t'oblige. Tu pourras pas travailler ailleurs, il n'y a que chez nous. Il te reste encore 3 ans, tu finis là. Enfin bref. Je donne des exemples parce que voilà, pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on imprègne ça, qu'on prenne à quel point c'est bas, c'est crade, c'est vulgaire ce qu'ils font, c'est insportif, c'est un fair play mais l'inverse. Enfin bref, à vomir. Les potes de Dato, prenez soin de vous et de vos proches. Prenez soin de vous et de vos proches. Et courage à Tony Oka, franchement, force à Tony Oka. J'espère qu'il va trouver une porte de secours dans ce bourbier. Pour voir comment faire. Ou peut-être il a signé aussi avec Top Rank, hein, je crois, on ne comprend pas aussi là très bien. Qu'il se mêle aussi, j'en sais rien, des avocats, tout ça, enfin bref. Enfin, force à Tony Oka, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de et son promoteur cette fois-ci.